Je connais pas très bien tous les coureurs qui sont venus, donc j'attends de les voir, et puis ça va surtout fonctionner pareil au début en Belgique. Ils vont s'appuyer aussi sur l'expérience de Philippe Gilbert, et puis il est toujours autour de Tim Wellens. Donc c'est pas une équipe qui bouge beaucoup, il y a du renouvellement, mais ils ont quand même gardé leur cadre. Donc je pense qu'ils vont garder un petit peu leur même ligne de conduite qu'ils ont eue cette dernière année pour la saison 2021. Philippe Gilbert, bon, il a eu une petite baisse de régime suite à une chute, hein. Il n'a pas eu de chance sur la première étape du Tour de France. Parce que c'est un coureur, s'il est encore sur le vélo, il va prendre 39 ans cette année. Il fait pas du vélo pour faire de la figuration. Il aime ça et il va pas accepter de finir sur une mauvaise note. Donc, je pense que l'équipe va compter sur lui et qui va répondre présent plusieurs fois dans l'année, j'en suis persuadé. Ils peuvent gagner partout, surtout là où on ne les attend pas. Voilà, c'est toujours une équipe qui est un peu surprenante dans sa tactique, mais qui score. Donc, c'est toujours une équipe sur laquelle il faut compter, parce que quand ils sont à l'avant, en général, ils sont pas loin de la gagne. Donc c'est toujours une équipe où quand on est coureur, quand on est adverse, on se méfie. Quand ils seront là en surnombre aux avant-postes, qu'il y ait du vent, que ce soit sur une course belge ou sur une course plutôt vallonnée, s'ils sont là pour faire la course, on sait qu'il faut compter sur eux. Et c'est une équipe en général qui est crainte dans le peloton.